Sur cette bande de terre, bientôt, une nouvelle bretelle du périphérique. L'infrastructure routière est empruntée chaque jour par 87 000 véhicules. Les travaux devraient permettre de diminuer de 30% les temps de trajet et de 40% le trafic sur les grands boulevards extérieurs. Actuellement, on a le lien entre le périph nord et le périph est est assuré avec une seule voie et l'objectif du chantier, c'est de doubler ces bretelles, donc on va avoir deux voies de circulation, et c'est aussi de rajouter ce qu'on appelle une voie d'entrecroisement sur le périph nord dans les deux sens et sur le périph est également dans les deux sens. Le chantier ne présente aucune difficulté majeure. Seule contrainte, éviter de perturber une circulation particulièrement dense aux heures de pointe. On va limiter les coupures de voies. Les seules voies qu'on va couper, c'est la voie qui concerne le mouvement périph-est vers Paris, qui va être coupée deux mois à partir du demi-septembre. Mais sinon, les principales, on va travailler de nuit en majorité pour éviter de perturber la circulation. Le coût du projet est estimé à 48 millions d'euros. La mise en service est prévue courant 2024. Vinci, maître d'ouvrage, annonce 2500 mètres carrés de zones humides restaurées. Cela représente 200% de compensation.